Lorsqu'on est étudiant et qu'on n'a pas de soutien financier, soutien des parents, des bourses, etc., ça peut facilement avoir un impact sur la productivité, le comportement, la vie en société, avec les amis, les camarades de classe. Bref, cela complique tout simplement la vie. Des moyens pour se faire des économies et gagner sa vie en tant qu'étudiant sont nombreux. Et dans cette vidéo, je vous parle de mes 4 jobs étudiants que j'ai eus pendant mes études. En premier, j'ai fait du soutien scolaire. C'est le job étudiant pour moi qui est l'un des plus répandus et l'un des plus accessibles. Si vous êtes passionné par l'enseignement ou pas, ou si vous avez de la motivation ou des capacités à expliquer des leçons ou à résoudre des problèmes, alors c'est fait pour vous. J'ai travaillé pour Academia et en ayant postulé sur leur site internet. J'ai aussi posté des annonces sur Le Bon Coin et Superprof. J'ai eu des retours positifs. Avec au moins 6 heures de cours par semaine, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 euros par mois en fonction des villes ou des niveaux d'études que vous faites. En deux, travailler dans les fast-foods. J'ai travaillé pendant près d'un an chez KFC Le Mans Oudia, près du Stade MMA Arena au Mans. Une superbe expérience. Je profite d'ailleurs de la vidéo pour remercier la directrice Laetitia, si un jour elle tombe sur la vidéo d'ailleurs, qui m'a recruté et qui m'a donné la chance de bosser là. J'ai taffé à la prod, à la cuisine. Donc c'est la prépa des tenders, des wings, un poste très très fatigant quand même. Mais aussi j'ai travaillé au pack pour les emballages et à la caisse. Avec un contrat de 15 heures par semaine, vendredi soir, samedi et dimanche, c'était un peu chaud quand même, j'avoue. Pas beaucoup de temps de sommeil, pas beaucoup de temps pour étudier. Étudier pendant les pauses et le week-end dans la salle studio, la salle où on s'habille. Et avec ça, mais bon, on y gagne quand même environ 600 euros le mois. C'est pas mal quand on est étudiant. En 3, j'ai bossé dans l'événementiel. Donc, au Mans, il y a la course des 24 heures du Mans qui a lieu chaque année, je crois. Et pendant cette période où se déroule cette célèbre course, c'est une bonne opportunité pour les étudiants de gagner un peu d'argent pendant quelques jours. Donc, j'ai fait du contrôle de tickets ou de la surveillance portail pendant les week-ends de la course en 8 heures fois 3 jours. Et j'ai gagné environ entre 250 et 300 euros, si je me souviens. C'était très bien. Et donc, en 4, pour moi, en dernier, j'ai fait de l'intérim, mais j'ai juste essayé une seule fois. J'en ai fait juste un seul jour. Et là, j'ai eu l'opportunité sur l'appli Bruce. Bruce, c'est une appli qui propose des jobs d'intérimaire. J'ai essayé par hasard parce que j'essayais juste, je voulais voir ce que ça fait. Et j'ai été retenu pour un inventaire dans un hypermarché. Environ 6 heures de travail. J'ai gagné, je ne sais plus trop combien, mais 60, 70 euros, je crois. Et par contre, c'est ultra fatigant. Si tu n'as pas vraiment les nerfs solides, tu craques facilement. C'est très fatigant. Parce qu'on fait beaucoup de répétitions et voilà. Et en bonus, pour ceux qui ont permis, ça aurait été intéressant de faire des livraisons en voiture. Ça, c'est très bien. J'avais pas encore le permis pendant mes études, donc. C'était mort pour moi. Et en plus de gagner sa vie en tant qu'étudiant, ces jobs ont l'avantage de non seulement de faire gagner de l'argent, mais peut être une réelle valeur ajoutée à valoriser sur son CV pour ses premières expériences professionnelles. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez pensé de ces expériences, ou si vous avez des questions particulières. Merci, ciao!